Et donc, y'a tout le monde, c'est Conibra, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis. Salut à toi. Tout simplement, on va parler d'un sujet, quelque chose que, un projet, on va dire, qu'avec Alexis, on a déjà commencé d'ailleurs. Je vais vous en parler après, parce que j'ai un tout petit truc à vous dire. Comme vous avez pu remarquer, quand même, ma voix a changé. Je pense que vous avez remarqué un peu. Alors non, je n'ai pas été opéré de la gorge ni pris une gorge profonde de la part d'Alexis. Bon. mais j'ai changé de casque. Voilà Raconte pour. pas des mythos quand même parce que tu mens un peu là. Tu mens un peu sur ça, je tiens à rectifier ma phrase. D'accord. Ok, d'accord. T'as vu. Vous avez vu ça, hein? Ok, on retient. C'est moi qui ai le code de ta chaîne. On verra après, on en reparlera justement. Justement. Donc voilà, j'ai changé de casque, j'ai repris un PX. Bon, celui-là, c'est le 24, celui-là. Donc bon, je sais pas ce que ça change réellement sur ma voix par rapport au 22, mais bon, ce qui paraît, Pas la Alexis voix trouve que grave. ça change. Encore plus grave. Bon, ah bah, c'est peut-être ma voix, hein, tu sais pas. Après, bon, Violeur, je vais voir ce que ça donne en vidéo. Je pense que ça sera quand même mieux que l'ancien. Enfin, pas le PX 22, mais celui que j'avais. Alors, l'ancien d'ailleurs, pour en parler vite fait. Je vais l'utiliser sur PS3, donc je le garde quand même parce que celui-là il peut pas aller sur PS4, sur PS3, celui que j'ai là il est incompatible, donc voilà, il y a quand même un petit désavantage sur ce casque. Sinon voilà, c'est un superbe casque niveau son. Les 100 000 boules que je vais gagner sont voilà sur du placement de produits, voilà quoi. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est normal si ma voix elle change. Mais bon, il est un peu moins confortable. Bref, on va passer le sujet, sinon je vais en parler pendant 20 minutes. Donc le vrai sujet de la vidéo, je pense que vous avez vu au titre. Tout simplement, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube et Alexis aussi. Alors pourquoi on a créé deux chaînes YouTube, sachant qu'elles ont pratiquement le même nom. D'ailleurs, elles seront en description. Allez vous abonner absolument et mettez la petite cloche et suivez-nous sur Twitter, pareil. Twitter de la team, enfin entre guillemets de la team, c'est juste entre nous deux quoi. Ça en aussi en description, alors faut nous follow un peu, absolument les gars. C'est là où tout ça se passe, tout va se passer. Alors tout simplement, on a créé une chaîne où en fait on va faire des lives, tout simplement. Ça va être pour l'instant surtout rivé sur des défis entre guillemets performance quand même, parce que ça c'est quand même assez chaud ce qu'on tente en ce moment quand même, je vais pas te mentir. Voilà, faudra nous suivre là-dessus. Je ferai plus jamais de live, enfin sauf voilà pour des cas exceptionnels, par exemple mon anniversaire, ça peut arriver, enfin des trucs comme ça de temps en temps ça pourrait arriver. Voilà, si, parce que j'avais prévu de faire un truc genre FAQ plus tard, en fait si j'ai plus d'abonnés genre en live un peu. Ça sera sur cette chaîne bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aux deux chaînes qui seront en description. Alors, les projets qu'on a dessus avec Alexis, c'est de faire en fait premier projet. Je pense que vous voyez, enfin pour ceux qui sont abonnés à l'Apex, ils font un ROAD entre guillemets 1000 nuques en voilà, faut qu'ils fassent 1000 nuques sur un compte, etc. en live, 1000 nuques en live. Et nous en fait, on va faire la même chose, mais sur 100 nuques, sauf que Alexis va live sur sa chaîne et moi sur la mienne. Ce qui fait que si on joue ensemble, on aura deux lives. Allez sur celui d'Alexis ou le mien, ça va rien changer. Vous Le choisissez ce mien, que vous le voulez. mien. Moi, clairement, je m'en Moi, bats les c'est de la couilles. qualité. Oui, Si c'est vrai c'est de que la je qualité. vous le dis quand même. Lui, il aura plus de qualité. Logique, il a plus de co. Voilà. Moi, j'ai moins de co. Voilà, si vous voulez la qualité, allez sur sa chaîne. Si vous voulez le gameplay, allez sur ma chaîne. Ah, si! Non, comme vous voulez, moi je vais live beaucoup plus souvent, je pense. Parce que Alexis, souvent, tu sais, il va sur Call of, un jour il va. Enfin, il change assez souvent de jeu. Moi, je pense live un peu plus souvent qu'Alexis, peut-être. Mais voilà, lui, c'est plus de qualité au niveau. Merde, vidéo. Moi, j'en ai pas parlé à Alexis, c'est vrai, mais vu qu'il va changer de casque, vous verrez plus tard. Tu m'as dit que t'allais changer de casque, non? C'est pas ça. Inch'Allah. Parce que je suis allé sur ton live, je te l'ai pas dit, mais genre, on entend ton. Un petit peu. Donc voilà, c'est comme moi à une époque avec mon ancien casque. Pas celui-là, mais encore plus avant. Donc voilà, on entendait le. Moi, on Ah, n'entend mais pas, dès que donc moi. venez. Non, moi, on n'entend pas. Bah, heureusement qu'on n'entend pas un parce que j'aurais un peu le seum.
Mais voilà, moi je vais live un peu plus souvent. Bref, si on est en live en même temps, Il n'y vous a plus de faites ce que défenseur. vous voulez. De toute façon, en général, je pense, hein, vu qu'Alexis va avoir plus d'armes que moi au bout d'un moment, parce que moi j'économise pour un pack opening tous les boulons et tout, tout acheter en live. Donc voilà, si vous voulez plus de diversité, allez sur la chaîne d'Alexis, hein, vraiment, il y aura plus d'armes spéciales. Voilà, enfin, tu feras un peu plus, tu vas avoir la Mauleur là bientôt. T'as dit que t'allais beaucoup y jouer. Ouais. Non, franchement là, moi là, je prends des bougies de par elle, mec. Franchement là, ça me tarde trop. Il me manque 700 boulons. Moi je vous jure, bah de toute façon vous verrez, la Mauleur est bien, mais moi c'est mon Ouais. avis. De toute façon Alexis il a pas joué la version nuque, moi j'ai joué la version nuque. De toute façon à chaque fois que je lui ai dit quelque chose, ça s'est passé jusqu'à maintenant. J'ai dit qu'il m'a fait ouais je vais avoir la NV4 nuque, j'ai joué, ça va pas m'empêcher de jouer avec continuer à monter mes armes en or. Je lui ai dit ouais arrête de mytho, moi regarde, je disais la même chose au final, voilà. J'ai eu raison, donc cette fois je vais encore avoir raison. Je te le dis Alexis. Même la Kabar, gros, j'ai cru que quand j'allais la débloquer, j'allais jouer qu'avec. Au final, je joue pratiquement plus avec. Bon, de temps en temps, c'est pas arrivé, mais. Enfin bref. Je te le dis Alexis, tu joueras pas à Mais la là quand même Mauleur. je joue avec plusieurs armes, genre là je joue type 2, Ouais. cabar, Voilà, si vous je voulez joue plus de avec beaucoup diversité, d'armes c'est quand sûr même que là. voilà. Parce que la Après. NV4 elle commence vraiment à me saouler, C'est-à-dire parce que moi, que la NV4, en fait, je sais je sais pas. pas comment mais. C'est pas que je la kiffe, mais genre en J'ai fait, beaucoup c'est plus de corps à que. corps, moi du coup la NV4 elle me gave un peu tu vois. Je sais pas que je la kiffe la NV4, mais genre en fait, c'est une sûreté quoi. Je prends les autres armes, voilà, quand je prends l'arme Parce sniper que j'ai que en fait tu essayé. peux tout faire avec, tu peux tout faire, tu sais, avec la NV4 tu peux tout faire, ça qui est bien. Parce que Mais le tu prends une sniper. cabar, tu Long peux pas shoot. tempo, t'sais, pas loin, t'es obligé de te foutre dans un corps à corps, tu vois. Et si t'es pas ton hitter par exemple ou un truc comme ça, tu sais, la NV4, tu te cales un headglitch un peu pour la souris, tu vois, ben, ça Après passe, mais moi, là. voilà, je trouve que les armes sont pas trop équilibrées par rapport à la NV4. La NV4 est pas cheatée, mais genre, je passe pas pareil quoi. Alors que la Type 2, clairement, je l'ai achetée. Deux parties, je l'ai kiffée. Et après, mais je l'ai détestée. Je n'y toucherai plus jamais. Je la déteste cette arme. La Mauleur, j'aime bien, mais c'est un peu gavant quoi. Elle bouge de partout avec un viseur et l'autre. Tu verras, Alex. Hein, vraiment, un viseur et l'autre, ça bouge de partout. C'est vraiment assez dur d'ajuster au long shoot. Et bon. En général, la Mauleur, quand même, son point fort. Enfin, le point fort d'une arme lourde, normalement, c'est quand même les longs shoots, donc. Enfin, les moyens, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? La cabar en long shoot, elle est impossible. Elle bouge de partout aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'arme sniper, il est bien, mais. Tu peux pas enchaîner, quoi. Tu fais 12 Moi je pète des max, plombs quoi. dessus mais je sens que moi si je joue je vais me faire enculer, c'est ça le truc. Non mais en fait tu peux enchaîner deux mecs mais sans plus quoi, je crois qu'il y a 20 balles, plus un 30, enfin même à chargeur grande cap, c'est rien. Voilà. J'ai hâte vraiment de faire mon pack opening. Je pense qu'il y aura quand même au moins 2-3 nous une ou deux nouvelles armes nuques, parce que je vais le faire dans 1 ou 2 mois, voire plus. Voilà, on verra. Et peut-être que j'achèterai, je pense, je le dis, je le pense énormément. Ça va être la Volk pour moi, la prochaine arme nuque. Ou la Erad peut-être aussi, mais bon, ça va jouer entre les Volk deux. ou une mitraillette. Je vois quand même la Volk moi Ouais, personnellement. Volk, je pense aussi. Et après les Erad, enfin bref, que deux armes que je surkiffe niveau plaisir, c'est-à-dire que la Volk c'est comme la K47 sur Code 4 quoi. Tu vas pas y jouer souvent, mais tu vas prendre un max de plaisir en y jouant, parce que c'est la même. Voilà, la K47 c'est toujours pareil. Comme sur Ghost avec la K12, voilà, ou la W, tu sais, tu violais pas des mères avec, mais tu faisais plaisir. La Volk c'est pareil, la Erad elle est surcheatée, donc version nuque, t'imagines pas. Donc voilà, j'ai hâte. Les Sinon, nuques à gogo, ouais, lol. donc voilà, sinon voilà, je vous ai tout dit, donc surtout Twitter c'est le plus important, limite les chaînes, vous abonnez pas, allez sur Twitter, c'est super important, parce que je préfère pas avoir d'abonnés et vous prévenir à chaque fois qu'il y a une vidéo que vous allez dessus, enfin un live. Voilà, comme ça il y aura Ah du bon, quand monde. même, c'est vrai que les abonnés, après, hein, pour la monnaie et tout, c'est plutôt bien. Enfin, je te cache pas que. Vous trouvez pas, il se la pète là. Ah moi les gars je vous dis clairement hein, la seule raison que je suis sur ce nouveau réseau social hein, de YouTube Game c'est pour le bif hein, clairement les sous c'est ce qu'il faut tu vois. Pour l'instant, sur la chaîne d'Alexis, il prévu que des lives. Donc voilà, pour l'instant, peut-être qu'il fera quelques vidéos, j'en sais rien. C'est lui, de toute façon, c'est sa Je chaîne, il fait ce sais qu'il veut. pas. S'il sort un gros gameplay, vous en ferez une vidéo, je pense.
Sinon, ça sera que des lives. Mon autre chaîne, donc ça sera que des lives, hein, bien sûr. Là, voilà, vous aurez toujours une vidéo par jour sur cette chaîne. Et sinon, vous aurez donc les lives, on va dire, tous les jours pratiquement. On va dire tous les jours, du mardi au samedi, en général, il y aura un live sur la chaîne. Live, donc voilà. Alors, j'ai pas dit le nom des chaînes, donc voilà, c'est Deck Burn Performance Live. Et moi, c'est Deck Nibra Performance Live. Donc voilà, c'est les mêmes logos. Il n'y a rien qui change, juste le nom. Il y a un petit nom à l'intérieur qui change. Lui, sa bannière, elle est verte, c'est ça, Alex? Moi, elle est violette, un peu Ouais. rouge. C'est un peu, ouais, violet plutôt. Voilà, c'est exactement pareil. D'ailleurs, niveau minia, je suis contente. Mais niveau bannière, j'avoue que j'ai quand même galère à faire la bannière. Donc bon. Mais niveau minia, je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais moi, j'aime bien la Moi, je minia. crois, je crois. Après, niveau bannière, c'est vrai que bon, j'ai eu Je plein sais de pas c'est times. quoi une bannière et une minia, j'inverse toujours les deux. Mais. Minia. Logo, putain, mais moi, là, j'ai inversé. Logo, le Ah, logo. ouais, j'allais Logo, dire. c'est le petit truc, et la bannière, c'est le gros truc en fond. Ah. Minia, c'est ce qu'on met sur une vidéo, je suis un peu con. D'ailleurs, il y a même une minia pour les lives. Hein. Vous imaginez un peu? Ouais. Bref, les gars, Ouais. bon, on va On fait terminer. tout pour ramener le bif, hein, les gars. Non, voilà, pour l'instant, ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est du Infinite Warfare pour l'instant. Il y aura peut-être du BO3, on va dire plus tard, mais là, ça va être uniquement du Infinite Warfare. Parce que si là, Alexis veut aller sur BO3 par exemple, j'ai pas fait les miniatures. Donc, faudrait qu'il attende un peu. Je pense que sur BO3, on va faire la même chose sur 100 nuques. Je pense. Et moi, d'ailleurs, un petit avantage juste avant de finir la vidéo, c'est quand même, ça, j'ai un peu duré là. Moi, enfin, Alexis, il n'y en aura pas, mais moi, il y en aura, les gars. Vous aurez. Normalement, si tout se passe bien, du Ghost et du Advance Warfare, la même série, donc 10 Moab, 10 Moab, 10 KEM et 10 DNA. Voilà, ça sera pas 100, ça sera 10 vu que je suis tout seul. Et bon, je vais pas passer ma vie non plus à travers les jeux. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu parce que PS3, j'ai pas assez de connexion pour jouer sur PS3. Je peux pas live sur PS3. PS3, rien que quand je joue normal PS3, j'ai 3 barres. Faut que j'aille. Malheureusement, j'ai pas. Enfin, je suis en haut, quoi. Je suis au premier étage. Pour ceux qui connaissent un peu ce que j'endure, j'ai moins de connexion que si j'étais en bas. En bas, j'aurais 4 barres, mais voilà, je peux pas jouer en bas. Donc voilà, j'ai pas assez de connexion. Les lives PS3 après les grandes vacances. Parce que j'aurai la fibre, ma gueule! J'aurai la fibre! Voilà, au mois d'août. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois que j'avais déjà dit il y a là longtemps. Mois d'août, j'aurai la fibre chez moi, je pourrais vous faire des lives à gogo, les gars, vous inquiétez pas. Bref, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. N'oubliez pas Twitter, abonnez-vous aux chaînes, mettez les petites cloches, parce que c'est très important la cloche. Alexis, t'as besoin de rajouter quelque chose ou pas? Bah, likez, partagez à max hein, pour faire le Ouais. bif. Non, mais Non, les partagez gars, vraiment pour les lives. sérieux, allez vous abonner, ça ferait grave plaisir, les gars. Et surtout Twitter, les gars. Twitter, franchement, c'est. Twitter, Dès c'est qu'il y a un important. live là, boum, Twitter, hop, live, on met le lien, boum, vous cliquez sur le lien, vous êtes sur le live, et voilà. Donc, les Voilà. gars, c'est là que c'est. Ça, tout part de Twitter, tu vois. Ouais, non, T'as c'est pas Twitter, tu connais pas la vie, en fait. D'accord. Twitter à la Voilà. base. Si vous voyez que, d'ailleurs, juste 2 secondes avant de terminer, encore une fois. Si vous voyez que j'ai 16 abonnés, c'est pas. Voilà, les 16 abonnés, en fait, c'est. J'ai pris ma première chaîne YouTube que j'ai renommée, j'ai envoyé toutes les vidéos. C'est pour ça que j'ai déjà 16 abonnés. J'avais la flemme de recréer une adresse email et tout. Hein, donc. Voilà, c'est pour ça que j'ai 16 abonnés. Hein. Pensez pas que je suis en train de faire le buzz direct là. Le mec, c'est la vidéo est sortie il y a 2 minutes, j'ai déjà 16 abonnés. Non, t'inquiète pas. C'est juste que voilà, Alexis il a 0 abonné par contre, vraiment. Non, n'hésitez pas quand même, ça c'est pas. Même moi je vais m'abonner pour le soutien. Ça, c'est le sang, tu vois. Mais on peut te foutre de ma gueule ou bien coupe la vidéo là, parce que là, ça devient hyper gênant. Il Non. y a zéro On est tous abonné. passés par là, même si moi ça a duré 2 jours. Non. Lol. Non, moi ça va durer une nuit, je crois. Le Il y lendemain, a je dis toujours j'ai. une première fois sur YouTube, les gars. Bref, les gars, on va s'arrêter là-dessus. Inch'Allah, un jour il va dépasser le cap des 10. Wouh! Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Code Nibra. Allez, peace, les gens.